Philippe, comment ça va? Philippe, on vous écoute, hein? On vous écoute très très bien, pas de problème. Bonsoir Philippe, on vous écoute. Vous êtes sur la radio, ici et maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abbassi, en direct, à partir de 23h, sur Ici et Maintenant, 95.2. Oui Philippe, on vous écoute. Oui, donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, monsieur Abbassi, quand vous parlez de dictature en Chine, de régime autoritaire, bon, je suis effectivement d'accord, hein, mais quelle est la différence que vous faites avec l'Europe, où il y a une personne qui s'appelle Ursula von der Leyen, qui n'a jamais été élue par les peuples, donc qui a été élue par ce qu'on appelle un soviet, hein, un conseil, qui prend des décisions sans en référer au peuple, une personne qui est notoirement corrompue, hein, puisqu'elle elle a sur le dos en Allemagne un procès pour plagiat. Vous savez qu'elle est, elle est médecin, mais elle a... en Allemagne, on l'a... Enfin, du moins, des gens veulent la poursuivre pour plagiat sur sa thèse de médecine. Elle a fait ce que le Macron a fait en France, c'est-à-dire elle a dilapidé les subsides du ministère allemand de la Défense en demandant des conseils à des cabinets de conseil. Et puis là, depuis qu'elle a été propulsée à la tête de l'Europe... elle refuse de donner le contenu de ses SMS avec le PDG de Pfizer. Et puis, elle a décidé, sans en référer à personne, de fournir un montant astronomique d'armement à l'Ukraine. Alors, je ne sais pas comment vous appelez ça, moi, l'Europe, si vous trouvez que c'est très démocratique. Deuxièmement... vous savez que, par exemple, Twitter a été réouvert par Elon Musk, et donc qui est un libertarien. Et donc, lui, il ne veut plus de censure là-dessus. Alors, comment vous appelez quelqu'un comme Macron qui vient voir Elon Musk, ou même des commissaires européens, qui, par exemple Thierry Breton, hein, qui a été nommé par Macron, et qui menace Elon Musk et Twitter d'interdire sa diffusion à l'Union européenne s'il ne change pas radicalement son contenu. Comment vous appelez ça? Vous appelez ça démocratique ou vous appelez ça autre chose? Est-ce que c'est vraiment extrêmement différent de la Chine? Et notamment, quand vous dites que les manifestations ont été réprimées, les manifestations anti-Covid ont été réprimées en Chine, c'est tout à fait exact. Mais comment vous appelez les répressions de manifestations anti-Covid en France, plus les gilets jaunes, qui ont fait des tas d'éborgnés et qui font tellement peur aux gens en France que maintenant plus personne n'ose manifester. Voilà, bah je voulais vous entendre là-dessus. Et puis en dernier lieu, là, on vient d'apprendre que les Américains ont sorti un nouveau bombardier, hein, qui est un bombardier furtif, le B-21, et puis on entend parler de bruit de guerre, de bruit de bombardement sur l'Iran, compte tenu de l'avancement des prétendues bombes nucléaires de l'Iran. Est-ce que vous pensez que les Américains sont capables de bombarder l'Iran? Voilà, bah, je reste à l'écoute. Merci. Merci Philippe, merci. Voilà, nous sommes là pour vous écouter. De toute façon, il y a divergence d'idées partout, depuis toujours. Et la vision du monde, ce n'est pas pareil avec selon les informations que chaque individu il peut avoir. Si mes informations sont très très peu
mes idées aussi, c'est bloqué. Et si vous avez plus d'informations, vous voyez, vous avez une vision mondiale, vous voyez énormément de choses que moi je ne vois pas, votre vision pourrait être différente avec la mienne. Pour ça, on ne veut pas entrer dans ce débat-là que vous voulez d'imposer, puisque, cher Philippe, il y a deux mondes, ça je viens de le dire, un monde, je dis, que l'argent et le capitalisme est plus important là-dedans. Et pendant 40 ans, toutes mes émissions, j'avais bien parlé. Et vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Seulement si on dit un mot que ça ne vous plaît pas, vous voulez intervenir. Pas de problème. Vous pouvez intervenir avec plaisir. Vous avez la parole. Si vous avez écouté même mon émission de la semaine dernière, mot par mot, parce que de temps en temps, vous donnez une image de quelqu'un dans votre tête, de Macron, de David Abassi, de Biden, de Poutine, et de je ne sais pas qui, et cette image que vous avez dans votre tête, qui soit positive ou négative, après tout ce que lui, il va dire, il va faire, tout ça, vous en foutez. Vous en foutez. L'exemple, ce que j'ai dit au départ de mon émission, même ce soir, et ce que j'ai dit la semaine dernière au sujet de l'argent qui gère le monde, c'est l'argent qui est plus important, des patati patata, énormément d'autres choses que je ne veux pas le dire. Mais seulement puisque nous avons haine envers certains qui pensent que c'est certains qui font ça. C'est le penser et de partager le monde et penser toujours que voilà, c'est une partie de population mondiale qui gère le monde. Je sais que comment vous pensez tous, mais la semaine dernière, je vous ai dit, plusieurs d'autres fois aussi, je vous ai dit, actuellement, la force le plus important dans ce monde, c'est pétrodollar. C'est l'argent, surtout d'Arabie Saoudite. C'est Arabie Saoudite qui est en tête de la direction du monde. Il fait ce qu'il veut. Il peut engager plusieurs organismes, personnalités, mouvements, etc. De l'autre côté, même Qatar. Regardez combien de gens étaient contre Qatar et le mondial de football. Mais ils sont là, hein, tout le monde est là. Voilà, oui. C'est pétrodollar qui gère actuellement le monde. Vous devez changer tous vos calculs. Tout ce que vous avez calculé à l'époque, dans le 20e siècle, le 19e siècle, ça a changé. Vous n'avez pas des informations. Moi, j'ai des informations que je ne peux pas vous dire toutes et tous, puisque la capacité de recevoir, c'est très important. Vous savez, c'est comme manger. Quand vous voulez manger, vous entrez dans un restaurant, en self-service, il y a énormément de choses que vous pouvez manger. Mais si vous mangez trop, vous tombez malade. Alors, des informations qu'il y en a. Si on vous donne, vous voulez pas comprendre. Vous voulez pas comprendre. Comme depuis 2 ans, personne parmi vous, même très très peu. Quand je dis personne, c'est personne. Parce que s'il y avait une personne parmi 10 000, les gens qui nous écoutent au moins, ils savaient certaines choses que j'ai dit sur la mondialisation, sur la personne, le philosophe de cette idée, tout ça, tout ça. Ça, c'est à réfléchir. Vous n'avez pas réfléchi, vous l'avez laissé tomber, vous avez l'idée. Alors, ça, c'est l'argent qui compte. Son argent, ça vient d'où? Sur l'argent, il vient de la République islamique d'Iran, de l'Arabie saoudite, du Qatar, de pays exportateurs de pétrole. C'est le pays de pétrole qui gère. Pour ça, pour vous, alors, ici par exemple, la manifestation de Gilets jaunes, tout le monde a soutenu, tous les êtres humains qui soient humanistes a soutenu la volonté et les idées des manifestants des Gilets jaunes. Voilà. Et ils ont presque réussi. À 60%, ils ont réussi puisque Macron, il a abandonné jusqu'à maintenant. Hein, on va voir jusqu'à fin de mandat. Certains de tous ces projets-là, certains, pas tous, ils ont gagné. Mais parmi les gilets jaunes, il y avait des sauvageries, il y avait des attaques. Et quand on vous attaque, vous-même, vous n'êtes pas policier, vous êtes une personne tout simple. On vous attaque, vous vous défendez. Ils ont attaqué les policiers, ils en allaient crier comme quoi ils voulaient tuer Macron. Vous avez oublié? On a crié comme quoi on va aller tuer Macron.
Alors, Élysée, il était obligé d'entourer le palais d'Élysée, fermer plusieurs rues et avenues autour du palais d'Élysée, que les manifestants ne peuvent pas pénétrer chez Macron pour le tuer. Alors ça, qu'est-ce que vous le nommez ? Ça, c'est des manifestations ? Ça, ce n'était pas des gilets jaunes. Vous savez, c'était qui ? Vous savez, c'était soutenu par qui ? Vous savez mieux que moi. Parce qu'il ne faut pas mélanger des choses. Mais les gens qui sont dans la rue en Chine, en Iran, en Russie, ce sont des gens qui réclament le minimum de droits de l'homme. Le minimum. Minimum. Et ce minimum, vous l'avez. Vous, imaginez-vous, ça fait... déjà presque 3 mois de manifestation en République islamique d'Iran, en Chine ça vient de commencer, la Russie, tu sais, combien de morts vous avez eu ? Combien de morts ? Et en France, la totalité de gilets jaunes, combien de morts vous avez eu ? C'est vrai que quelqu'un de son œil était blessé puisqu'il prenait il faisait la guerre avec la police. Quand vous faites la guerre avec la police, ils se défendent. Voilà. Mais par contre, autre chose que peut-être ça va t'intéresser, actuellement, par exemple, dans certaines villes en République islamique d'Iran, en certaines villes, pas partout, et les manifestants, ils sont forts et les policiers sont gentils, une partie, pas la totalité, une partie. Et les policiers, au lieu d'attaquer, ils prennent la fuite. Il y a énormément de films que vous pouvez regarder. Les policiers, une partie, qui sont d'origine iranienne, ne sont pas des pastarans de l'armée de Jérusalem, c'est une armée internationale. Ils prennent la fuite, ils ne tuent pas. Mais l'autre partie, ils tuent. Et toujours, ils sont en train de tuer. Ils tuent les héros, les footballeurs, les champions de toutes les catégories, les enfants, les femmes, tous les jours, regardez les photos. Ah, ça, c'est pas la même chose, c'est pas pareil. C'est pas pareil. En plus, ici, on donnait les slogans comme quoi on va tuer Macron, il n'y avait pas de mort. Et même, ils ont attaqué, même ils ont vu... vous avez pu constater, ça, ce n'était pas des gilets jaunes. Pour ça, il ne faut pas mélanger des choses. Il ne faut pas le mélanger, il faut être raisonnable et il ne faut pas avoir de préjugés. Les préjugés que vous avez, moi, tout ce que je dis, moi, au Macron, vous ne l'écoutez pas, ou d'autres personnes, vous n'écoutez pas tout. Seulement, vous, je parle pendant 20 minutes, 10 minutes, 15 minutes, seulement vous prenez 30 secondes et c'est 30 secondes-là que vous le matraquez sur la tête des gens. Par exemple, Macron, je vous promets à vous-même. Même toi, Philippe, tu peux venir me citer. Macron, s'il parle 2 heures par mois, 2 heures, tu n'écoutes même pas 2 minutes. Tu écoutes 2 minutes, 3 minutes, 120 minutes, après tu dois analyser. Tu n'écoutes pas la totalité de son message, de ses propos. Après, vous ne regardez pas ce qu'il a fait. Par exemple, vous avez un ministre de la Justice, et depuis qu'il est là, il a fait énormément de choses qui... avant, on n'en avait pas fait. Avant, on n'en avait pas fait. Mais s'il aurait une campagne de publicité, propagande contre lui dans les médias, vous tombez dans le piège et vous dites, ah voilà, Éric de Montpellier, il est comme ça, patati patata. Non, il faut aller voir, il faut étudier, il faut regarder le préjugé que nous avons dans notre tête selon nos partis politiques. Parce que que si j'appartiens à un parti politique, tout ce que je veux dire, c'est identique. Mais c'est militant. C'est militant. Mais si vous êtes humain, vous pouvez constater qu'il y en a des bons dans peut-être tous les partis politiques, mais avec un pourcentage. Mais quand tu es membre, militant, partisan, la totalité de ce qui se passe dans ton parti, c'est sacré, comme la religion, mais tout ce qui passe en face, à côté, à droite, à gauche, il faut l'écraser. Ça, c'est une méthode qui, avec le 21e siècle, avec l'intelligence artificielle, avec notre monde d'aujourd'hui, ne fonctionne plus, ne marche plus. Il faut changer. Il faut changer. Voilà, 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 voilà. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant
sur 95.2 FM, j'arrête quand je veux. Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. Réveille.